Почитувани, во прилог можете да го погледнете интервјуто со стажантката на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, господица Ема Миньоки. Треба да истакнеме дека интересот за развојот на франкофонијата на УГД постои уште од неговото формирање. Имено, УГД може да се горде со многу истакнати франкофони, како на пример професор доктор Емилија Јаневич, кој е надворесен дописен член на престижната Академија Национал де Фармаси. Ректорот Боев и проректорот Джидров со своите лични заложби овозможи оваа традиција да заживее уште поинтензивно. Имено, благодарение на нив и на деканката на Факултетот за туризам и бизнес логистика, Татјана Бошков, минадиот семестар поголема група од околу 30 студенти започна да го изучува овој јазик, а наскоро се востанови и со работката со Универзитетот Пол Валери од Монпелие. Професорот Јован Костов, кој предава на катедрата за дидактика на француски јазик како странски, сметаше дека соработката би се прелабочила и преку испраќање на практиканти. Па така, од минатиот семестар, со нас е Ема Миньоки, студент на втор циклус на студии. Таа со студентите одржува дополнителни вежби, а дел од низината пракса ќе се состои во изработка на јазични вежби, кои ќе бидат достапни на платформата e-учење. Во прилог е интервјуто со колешката Ема Миньоки. Бонжур, Ема. Je voudrais vous demander comment vous avez eu de réaliser, d'effectuer votre stage dans le cadre de notre université. Bonjour. Alors, pour le stage, j'ai d'abord cherché de mon côté. Avec la situation actuelle, ça a été très compliqué, donc j'ai eu beaucoup de refus. J'ai envoyé un message à Monsieur Kostov. Et en fait, c'est lui qui m'a proposé deux stages, dont celui de Macédoine. Et j'ai décidé de l'accepter parce que c'est quelque chose qui me convenait et c'est ce que je recherchais. Et merci bien. Et malheureusement, à cause de la pandémie, vous ne pouvez pas être physiquement présente. En tout cas, quelles sont vos premières impressions du travail avec nos étudiants? Alors, mes premières impressions, elles sont positives parce qu'ils sont curieux. Et ça, c'est bien. ils sont aussi plutôt à l'aise avec l'oral et la prise de parole, même si effectivement, parfois, il faut leur demander. Ils sont à l'aise avec le fait de parler dans une langue étrangère, ce qui est peu commun parfois en France. c'est ça, donc oui, ils osent parler et puis ils s'intéressent à l'autre et ils disent pas non quand on leur propose une activité. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Oui, merci bien. Et qu'est-ce que vous pensez, quels sont les problèmes que nos étudiants ont dans le cadre ou pendant l'apprentissage de français? Les problèmes, ça va vraiment être au niveau de la prononciation. Et des sons en français, U, OU, et puis les consonnes finales, quand on dit et ou presse. Ça va vraiment être ça, la difficulté. Et aussi, parce qu'en fait, on est à distance, et ce qui est plus difficile, c'est l'entrée dans l'écrit. C'est de mettre l'apprenant en situation d'écrire, et c'est difficile pour eux, comme pour nous, enseignants, à mettre en place. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez, quels sont les avantages de l'apprentissage du français? Donc d'abord, français, c'est une langue internationale. Elle est présente à l'ONU, l'OTAN, l'UNESCO, la Croix-Rouge, l'Union européenne. Donc, c'est l'avantage. Aussi, c'est la langue, le français, il est présent sur les 5 continents. Donc, où que vous alliez, vous pourrez communiquer en français. Un atout d'apprendre le français, c'est ensuite on peut étudier en France, travailler en France. Pareil, plus on apprend, enfin pour moi, plus on va apprendre de langues, plus ça va être un atout pour trouver un emploi, surtout dans les multinationales françaises ou francophones. Ça permet d'apprendre une langue. Permet la découverte culturelle de l'autre. Et je pense que ça, c'est très enrichissant. En plus, en France, on a quand même un passé historique qui est plutôt conséquent et qui peut être très intéressant à apprendre, notamment la littérature ou l'histoire en général.
C'est ma question suivante. Qu'est-ce que vous pensez, quels sont les aspects culturels qui seraient intéressants pour nos étudiants? Bon, je vais dire la littérature. Je trouve ça vraiment magnifique, mais il y a aussi le cinéma, la musique, le droit, et puis comme, enfin, l'histoire aussi de France, qui est quand même intéressante avec les rois, avec la Révolution, et puis ensuite Napoléon qui arrive, et puis De Gaulle plus tard, parce qu'avec les guerres. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Et une question finale, est-ce que vous voudrez visiter notre université, bien sûr, après la pandémie? Évidemment que j'aimerais visiter l'université et votre pays. C'est vraiment ça qui est dommage avec la pandémie, c'est que je ne puisse pas venir chez vous. Oui, c'est aussi un dommage pour nous, mais quand même, nous pouvons profiter de votre présence à distance. Oui, heureusement Merci que bien. l'informatique existe. Merci bien de participer non seulement dans l'interview, mais aussi pendant les cours et dans la préparation de nos étudiants. Bah, Merci bien merci à d'avoir. vous À bientôt. de m'accueillir.